Bon allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, petite opération, on contrôle les corps, on déplace les bandelettes de traitement. Dernière ouverture, dernière sortie des cadres de la saison. Donc là, je sors tous les cadres des ruches, enfin je sors. Je contrôle tous les cadres des ruches, je replace mes bandelettes dans le couvain et ensuite, contrôle du couvain, contrôle des réserves, je repèse et voilà. Dernière visite du rucher, enfin, dernière ouverture de ruche avant le retrait des lanières. Mais le retrait des lanières, je ne sors pas les cadres. Je retire les lanières, terminé, c'est dans 3 semaines. C'est fini, traitement terminé, on n'en parle plus. Donc, ben, on est parti pour faire ça. Je vais vous faire voir 2-3 cas. On va ouvrir, moi je les ouvre toutes, mais avec vous, 2-3 ruches, on va voir. Et puis, on contrôle ça. Le couvain, la taille du couvain, les réserves, pollen. Et miel, hein. Attention, il faut les deux, hein. Faut pas que de la nourriture, que du miel. Là, j'ai fait un tour rapide du rucher en arrivant. Pas un frelon. Que dire de mieux, franchement, magnifique. Super, printemps pourri, on en a chié, mais si pour derrière, pour en arriver là, j'ai envie de dire, je préfère me battre au printemps, avoir des colonies prêtes à produire l'été, et qu'elles ne sont pas emmerdées sur les dernières récoltes. Donc c'est parti, j'arrête de vous parler, on va ouvrir des ruches, on fait du cas concret, c'est parti. Bon, on prépare ça. Histoire qu'on ait tout ce qu'il faut pour la visite. Ça, c'est mes petits supports, comme je vous disais la dernière fois. Vous ne devez pas les voir, mais moi, je les ai préparés. Allez, bon, pareil, hein, une semaine de boue, là, on en profite. Hein. Après, c'est terminé, je pense. Oh, regardez-moi ça. Comment que c'est envahi. Donc, j'ai pas prévenu la ruche, pas bien. Donc on prévient à l'entrée qu'on est là. Là on voit ça bien propolisé. Hop, on cogne pour enlever les abeilles. Ah, il en reste pas mal. On voit une ruche bien populeuse. Qui utilisera tous ces cadres. Voilà, elles vont être un peu embêtées par les abeilles. On voit que depuis le temps que j'ai ouvert, elles ont bien propolisé. Il y a encore des faux bourdons ici. Donc j'ai bon espoir pour mes colonies qui sont en train de remérer, comme on a vu dans une autre vidéo. Un petit support. Pour le premier cadre, toujours hein, la pince. On voit que là c'est occupé, mais sans plus, donc on va pouvoir resserrer quand même sur 8 cadres. Ça c'est vide, je vais l'enlever. J'ai pas de partition, je repasserai. Je vais en faire dans la semaine. Je repasserai en fin de semaine. Juste poser la partition. Là c'est pas occupé, il n'y a rien à manger. Il n'y a pas de nourriture. Un tout petit peu de miel là, mais c'est pas grave. On va secouer ça, on va leur enlever. Hop, on le secoue, on enlève les dernières abeilles. Il en reste une, c'est pas très grave. Je mets sur la ruche d'à côté et on attend. Et ça, par contre, je vais le ramasser très vite dans un camion pour pas déclencher un pillage. Donc là, on va pouvoir laisser sur 9 cet hiver. On va avoir le dernier là-bas, mais là, c'est vraiment blindé d'abeilles le reste, quoi. Donc moi je vais contrôler où se situe le couvain. Donc ça c'est de la réserve, je suis content, vous voyez. Un très beau cadre de réserve. Là c'est rempli. Hein. On va les pousser pour que vous voyez, mais... C'est rempli de miel. Donc ça c'est parfait pour cet hiver. Une colonie qui est plutôt calme. Qui a fait du miel cette année. Et qui est en train de faire ses réserves. Et voilà, on va enlever les ponts parce que... Ça, c'est le meilleur moyen de tuer des abeilles ou une reine, d'avoir des ponts comme ça, de refaire en refermant la ruche. Moi, je veux juste localiser... Ah, la vache. Là, elles auront encore le temps avant l'hiver de reconstruire leur pont et remettre leur propolis, c'est pas un souci. Et c'est la dernière fois que je les ouvre.
donc pas à outrance. Là c'est vraiment le contrôle, là c'est plein de nectar et de miel, donc c'est parfait. Je sais pas si vous voyez bien vous, c'est rempli de nectar et de miel. Donc on est déjà à 2,4 de réserve, et au poids il doit faire au moins 2,5 kg le cadre quoi. J'ai déjà 5 kg de miel sur ces deux cadres. Maintenant ce que je veux savoir c'est si j'ai du pollen suffisamment pour qu'elle puisse élever les dernières abeilles d'hiver et redémarrer au printemps. Parce que pour redémarrer la ponte au printemps, il leur faudra du pollen. Je rappelle, pour élever les larves d'abeilles, c'est miel, pollen et de l'eau. Donc il leur faudra tout ça, quoi. Hop, j'ai décollé ma bandelette. Oh bon, ce que je fais. La reine est là. C'est parfait, est-ce qu'il y a de la ponte? En tout cas, la reine est là. Donc le couvain commence ici, donc je suis toujours dans le cœur du couvain. Non, c'est de la réserve, là. Couvain d'un côté, réserve de l'autre. Donc on voit qu'elles sont en train de faire les réserves là. Donc on va déplacer cette bandelette de traitement. On l'enlève. Voilà, déplacer ailleurs. Je pense que le couvain doit commencer au prochain cadre pour que la reine soit là. Tac. Une très belle colonie bien chargée. Là c'est pareil, réserve. Donc, la bandelette est vraiment plus au bon endroit quoi. D'où l'utilité de repasser. Vous voyez là c'est encore du couvain. Mais derrière c'est quoi? C'est du nectar qu'elles sont en train de mettre. Ouais, c'est du nectar, donc le couvain doit être plus au centre. Donc cette bandelette devrait être pas mal, je pense, par rapport à son placement. Cette bandelette devrait être pas mal, mais les autres, on va voir. Je vais en fumer un peu, parce que ça commence à citer sans mes gants. Donc c'est plutôt calme. Je vais enlever la bandelette, parce qu'elle va gêner. Comme tout à l'heure. Donc là, ça va être le couvain. C'est ça, couvain. Il y a des larves, donc c'est ça, c'est le couvain, il est là. Donc cette bandelette était pas mal. Là, on voit que le couvain a grandement diminué. Les cadres avant, c'était du couvain. Mais on a une colonie populeuse pour pouvoir attaquer l'hiver. Donc là, je vais arrêter de visiter. De toute façon, ça ne sert à rien de replacer sous le couvain. Elles ne me font plus beaucoup de couvain. Ah si, le couvain est là. Et après, c'est de la réserve. Donc j'ai un beau cadre de couvain, c'est tout. Et j'ai encore des faux bourdons qui sont gardés dans la ruche. Donc moi ça me va, c'est parfait. Pour mes essaims là-bas, ces ruches-là sont pas ultra agressives, donc moi c'est parfait. Donc j'en mets ma bandelette ici. On va secouer ça. On va gratter ça. Vous voyez, il y a plein de cire dessus. Elles ont bâti par-dessus. Elles ont gratté dessous où elles étaient. Donc on les gratte. C'est pas pratique celle-ci. Elles sont pas pratiques ces bandelettes. Bien sûr, j'ai les mêmes gants que la dernière fois. Voilà. Donc là, j'en remets ma bandelette de traitement. Ici, toc, c'est là qu'elle était, et elle était très bien. Hop.
Pousse-toi aussi, tu te mets en dessous, toi, une petite merde. Je vais continuer. Bon, je suis un peu long sur celle-là. Là, il y a des ponts, je les retire. Éviter de blesser tout le monde. Toc, les dépôts ici aussi, je les retire. Je referme. L'autre 4, je ne remets pas. Je viendrai mettre une partition demain ou après-demain. Et là, elle est largement assez populeuse pour rester sur 8. Sur 9. Je remets ma bandelle, je la gratte et je la remets. Là, on est sur 2-4 de couvain. Donc, là, il n'y a plus besoin de deux bandettes. Je les ai mises au départ. Elles ont fait la moitié. On est à la moitié du traitement, je les remets. Hein. Je vais pas m'amuser à tout enlever maintenant. Elles sont dedans. Ça fera pas de mal. Et là, par contre, on resserre. Le couvain, il est là. On va mettre là, là. On est sur ces deux cadres là, j'ai plus deux cadres de couvain. Donc j'adapte la position de mes bandelettes à mon couvain. Hein. Par contre, on a vu que réserve, on était très bien. J'ai vu un peu de pollen, j'en ai pas vu des masses, mais il doit y en avoir de ce côté-là. C'est quasi sûr. Allez, vas-y, roule ma poule. Donc on y va doucement. Hein. Voilà. La bandelette est mise, c'est parfait. On referme, terminé. Moi je veux surtout voir l'autre qui est à côté. Moi, je voulais surtout voir l'autre qui est à côté. On va la regarder ensemble parce qu'il n'y avait pas beaucoup de couvain et je l'ai nourri la dernière fois. Rappelez-vous, c'est la ruchette que j'ai nourrie dans la dernière vidéo parce que je veux voir où elles en sont. Moi. Et s'il faut que je remette ce cadre là ou pas. Que j'enlève un cadre qui est à peine bâti et que je remette celui-là. On va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti, la ruchette. Donc, on prévient l'entrée. Comme toujours. Le nourrisseur est vide, donc c'est qu'elles ont bien profité du sirop que j'aurais mis. On enfume. Et là, on voit qu'il y a du monde. Hein. C'est une ruchette qui avait une pompe pas terrible, mais voilà, il y a du monde. C'est un essaim qui était pas mal. Donc là, c'est l'essaim que j'ai récupéré dans une entreprise de textile. Là. Ils se reconnaîtront. Qui n'avait pas de reine, que j'ai fait élever. J'aurais fait élever une reine, elles n'avaient pas de reine. Quand je les ai récupérées, j'étais un moment et à regarder, il n'y avait pas de reine au final. Donc je les ai fait élever. On va voir ce que ça va donner. Mais je sais que j'ai une reine qui pond. Je triche un peu. Donc ça, je peux l'enlever, ça sert à rien. Ça. Hop, ça je l'enlève, ça ne servira à rien. Donc il faut ramener une partition pour celle-là aussi. Donc je suis déjà à deux partitions. Maintenant, j'ai plus besoin de cette pince. Hop, on voit bien que j'ai des cadres qui sont à peine construits, il y a de la réserve dessus. Non, il n'y a rien. Il n'y a presque rien, il y a très peu d'abeilles. Ça, je pense que je vais l'enlever aussi, je fais le tour, mais... Là, par contre, il y a de la réserve. Donc celui-là, il va rester dans la ruche et il est bâti quasiment, quoi. Vous voyez, elles ont stocké tout le sirop est là quoi. Plus sûrement un peu de nectar qu'elles ont dû aller ramasser. Hop. Toc, donc là, hop, c'est bon. Et ça fait partie de mes cas particuliers, c'est une ruchette, à chaque ouverture, elle chante comme une orpheline alors qu'il y a la reine. Comme quoi, c'est un facteur d'orpheline, hein, le chant, quand on les entend chanter les ruches comme ça. Mais voilà, c'est pas à 100% sûr qu'elles sont orphelines. Quoi. Là, on a un couvain qui est pas beau. C'est tout repondu. Il y en a encore des abeilles. La reine est là, je la vois là.
Là, celle-là n'est pas marquée, donc je ne sais pas si vous allez la voir, mais je la vois, moi, elle est belle. Hein. C'est une belle reine, je vous la fais voir. Elle est juste là, je ne sais pas si vous la voyez. Vous êtes où, là? Si on la voit, elle est juste là, ça se voit, là. Elle est partie où? Elle était par là, elle doit pas être bien loin. Elle a remonté le cadre. Elle est là. Elle est là. Vous voyez pas, elle est juste là. Ici, là. Je la suis. Vous voyez? Ça, c'est une reine, elle est belle. Et voilà, c'est pareil, c'est une colonie qui est pas très grosse. Qui était un peu en manque de bouffe. Donc là, il y a un beau couvain. Là, c'est comment? Ouais, c'est... bizarre, elle se transforme en œuf, c'est ouvert. Ça, c'est vraiment un cas particulier, parce que c'est vraiment un couvain d'ouvrière, hein. C'est un couvain plat. Elles ont bien fait les réserves. Elles élèvent pas, donc c'est que la reine leur plaît. Par contre, le couvain, moi, il me plaît pas, quoi. Il est vraiment pas beau. On va voir le deuxième cadre de couvain. Ce qu'il donne, mais celui-là, il est vraiment pas beau. Là, il y a la bandelette de traitement. Ah, c'est pas beau non plus. Ça, c'est une ruche, je lui donne pas cher cet hiver. C'est trop tard maintenant pour faire quoi que ce soit. Je pense que c'est une colonie qui est malade, ça, qui était pourrie de varroa, mais je vois pas de symptômes de... Elle continue de voler, elle continue de se nourrir. Il n'y a pas énormément de pollen, peut-être ça. Faut que je lui foute du pollen. Voilà, lui foutre du pâti, j'en ai pas là, mais j'en ai acheté. Pour ramener en fin de semaine. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de pollen, là. On va lui mettre un bout de pâti pour assumer, mais c'est un peu voué à l'échec, là. Je vous avouerai. 1, 2. Toc. Bon, elle est petite, je pourrais la resserrer, mais j'ai envie de lui mettre un cadre bien bâti pour que la reine, si elle veut bien pondre, quand je vais lui mettre son... Je vais lui mettre ça, avec un peu de bouffe. Et la reine va pouvoir s'exprimer là-dedans, quoi. Voilà, donc je lui ai mis un cadre bâti. Il n'y a plus qu'à. Donc ça, on voit, c'est une colonie qui est à mettre entre guillemets. Là, j'ai vu une abeille et du pollen aux pattes, donc ça rentre quand même, mais pas assez, quoi. Elles ont pas, pour moi, elles ont pas assez de pollen. Elles ont beaucoup de nectar, pas beaucoup de miel, de mon sirop que j'ai mis. Beaucoup de miel de mon sirop que j'ai mis, mais elles ont très peu de pollen. Donc c'est peut-être des larves ou des abeilles qui sont en carence de pollen et du coup là ça cire pas beaucoup, on voit bien, ça opercule pas le couvain. Alors qu'il devrait l'être, hein, ça commence, c'est la larve qui est limite en stade lymphatique. Donc ça devrait être operculé, ça. Allez, on va en avoir une autre. Bon allez, voilà, suivante. Là il y a une belle activité. Ah, les fourmis, elles sont dingues. C'est la folie, les fourmis, cette année. Je sais pas chez vous, mais moi, j'en ai eu toute l'année. Habituellement, c'est souvent au printemps. Après, ça se calme. Cette année, ça s'est pas calmé du tout. Une belle colonne aussi, par contre elle peut être réduite aussi celle-là. Elle est sûrement pas squatter ma ruche. Là, c'est l'invasion des fourmis là. Celle-là elle peut être grandement réduite. Beau, beau ce cadre. Ah, c'était un vieux cadre que j'avais mis.
Là, niveau bouffe, c'est là, je sais que j'ai rien à me faire. Pas de soucis à me faire. Là, j'ai ce qu'il faut pour toute la ruche, là. Là, on a un cadre énorme. Ah, voilà pourquoi le cadre est pas beau à côté. Regardez l'épaisseur de ce cadre. Qu'elles ont rentré énormément de nectar au moment où j'ai mis l'autre à étirer. Et du coup, ce qui fait que l'autre est à peine étirée, mais celui-là, elles l'ont gorgé de miel. On va leur laisser pour cet hiver, on va pas s'amuser à les mettre en péril. Hop là. Next, là, couvain, donc je suis bien placé là. Couvain, ouais, de la ponte. Ça se réduit grandement par contre, hein, la ponte. Sur toutes les ruches. Allez, on referme. Tiens, le poids, les bandettes sont bien placées, je les emmerde pas plus. Juste, je remets ça, mais ce sera... Non, je vais pas le remettre. Je vais laisser comme ça et je viendrai mettre une partition plus tard. Là, elle vous embête sur le micro. Hop. Et voilà, donc je vais pas embêter les autres, je sais que mes bandettes... Moi, je visite au rucher. Je pèse des ruches pour voir si tout va bien. Et je vis au rucher. Donc là, par contre, je vais compter. Il me faut une, deux... Deux isolants. Je vais compter mes isolants manquants parce que j'ai beaucoup de ruches où il n'y en a pas. Comme je disais en commentaire dans la dernière vidéo, je prends ça en compte aussi quand je fais mes tares. Parce qu'ils n'ont pas tous des isolants. Donc je vais regarder celles qu'en ont, celles qu'en ont pas. Et je vais commander ça avant l'hiver. Voilà, je veux qu'en hiver, elles aient leur isolant. Parce que pour moi, c'est important pour qu'elles passent un bon hiver. Pour elles, surtout pour elles. Mais moi, c'est important pour moi aussi qu'elles ont ce qu'il faut pour passer l'hiver. Dans les meilleures conditions, donc on isole les toits qui sont en tôle, donc je rappelle, hein, quand il fait chaud, ça chauffe trop, donc je laisse les isolants aussi l'été. Je laisse les isolants aussi l'été. Parce que quand il fait chaud, ça enlève de la chaleur. Et quand il fait froid, et ben à l'inverse, quand il fait froid, ça isole du froid. Donc très important l'isolant sous le toit, donc je vais regarder, celle-là elle en a un je crois, non, si. Vous voyez un isolant comme ça que je mets. Un isolant mousse. Et là, il faudrait même que je fasse cette année des couvre-cadres isolés en. L'intérieur de mes couvre-cadres en isolant dans mes couvre-cadres. Ça éviterait, mais un isolant dur, ça éviterait que les fourmis viennent s'installer là-dedans. Quoi. Au moins facilement, quoi. J'ai pas dit que ça évitera tout, mais. Enfin, je dis que ça évitera, mais non. Qu'elles viennent moins facilement. Donc là, je vérifie. Donc pour l'instant, il me faut deux isolants. Trois, vous voyez, j'en ai pas là. Non, trois isolants. Hop, on referme. Je les visite pas, celle-là. J'ai visité les autres, je sais que j'ai ce qu'il faut en bouffe. Là, je peux sous-peser vite fait. Si j'ai un doute, je pèse vraiment pour être sûr. Mais c'est bon. À la période-là, c'est bon. Pas de souci. L'autre d'à côté, c'est la plus lourde du rucher, celle-ci, je crois bien. De mémoire, elle était à 20 kg, on pesait rien. Ouais. Il y a du poids. Donc ça, je vérifie tous mes isolants. Je vais vous mettre en accéléré parce que vous n'avez pas besoin de voir ça pendant 3 jours. Donc là, il fallait que je vous ramène parce que c'est quand même un truc de fou. J'ai contrôlé mes cadres, j'ai dit tiens, celle-ci, je vais l'ouvrir. C'est celle qui est en train de remérir avec une autre avant. Donc d'ailleurs, si vous avez vu celle d'avant que j'ai ouverte là et que j'ai sorti quelques cadres, vous avez dû le voir dans l'accéléré. N'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous vous rappelez de l'historique qu'elle avait. Je veux juste vous dire, j'ai vu une reine vierge dedans. Donc, super. Bon bah voilà, on va clôturer la vidéo comme ça, désolé, c'est un peu brutal, mais c'est le meilleur moyen de la finir proprement, parce que les images, je vous les garde pour mardi, je vais faire une vidéo de plus la semaine prochaine, ou peut-être que mardi, ou jeudi, non jeudi tiens,
je les garde pour jeudi prochain, pour l'épisode de jeudi prochain. De toute façon, on va ouvrir beaucoup moins de ruches, donc on va espacer un peu le plaisir. Je sais que vous aimez voir des abeilles, donc on va vous en faire voir, hein, c'est pas un souci. Là, il fait super beau, vous voyez ça là, oh, c'est magnifique. Donc voilà, on va espacer les vidéos, sinon ça vous fait un pavé. Là, j'ai encore pour moins de 25 minutes de rush à monter. Donc, je vous fais ça dans la prochaine vidéo, il n'y a pas de souci, on se fait ça proprement. Et puis voilà, c'était le petit mot de la fin. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao !